dans un monde fini qu'on doit donc préserver. Et pourtant, ce monde-ci, on l'a déjà bien primauté. En tout point de nos esprits, on va installer l'idée que la croissance à l'infini soit quelque chose de sensé. On sait dans ce monde-ci que nos petits enfants vont habiter. Sabre bouton appui après l'avoir empoisonné. Est-ce qu'on se nourrit de fruits d'un arbre qu'on a coupé? Il faudrait croître à l'infini pour produire, pour consommer. Or la croissance a un prix que tout le vivant doit payer. Car la source se tarie, la terre est surexploitée. À vivre ainsi à crédit, le futur est hypothéqué. Surpêche à l'infini des océans pollués. Pour les poissons se nourrir de déchets qu'on y a jetés. Le plastique est presque gratuit, très pratique à utiliser. Même mon docteur m'a dit qu'il faut surtout pas le manger. Partout des forêts sont bâties, partout on veut privatiser. Ce serait, paraît-il aussi, que l'on combat la pauvreté. Oh, c'est le capital anti-profit, c'est du pillage organisé. Entre misère et non-dit, ça cesse de fausser et creuser. Mais quelle absurdité! La sornette de banquier qui ne pense qu'au profit, que cela doit la rapporter. Car si on s'intéresse à la vie et qu'on veut la pérenniser, on raisonne pas ses envies, y'en a pas la sobriété.